Quand les mots sont un repère, ils deviennent un cap, on va dire. Donc nous avons choisi d'aller avec vous dans un cap oral. Bonjour. Bien vu. Ça va bien ? Ça va, très bien. Salut cap oral. Enchanté. Enchanté, bah oui, on se connaît déjà, mais bon, c'est un plaisir en tout cas pour moi d'être là. Effectivement, on s'est rencontrés en 2015 pour la sortie de Sur la tête de mon mic, hein, voilà, qui était le fruit d'un travail que tu avais mené auparavant, enfin de différents concerts que tu avais fait, c'est exactement, ça ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui un jour t'a fait te pencher sur la question de la musique et de la chanson et du rap? C'est la rythmique et le besoin intense de liberté. Et pour moi, en fait, donc, la liberté, c'est l'expression, le fait de pouvoir dire ce qu'on pense, dire ce qu'on veut, de la manière qu'on veut. Et ça s'est illustré pour moi un jour où j'écoutais la radio et j'ai entendu des rappeurs faire des improvisations. Et l'improvisation, c'est une des façons d'être le plus libre pour moi en musique, en mots. Et on dit ce qu'on veut, de la manière qu'on veut, avec le style qu'on veut. Et ça, ça m'a vraiment impressionné, ça m'a donné envie de faire la même chose. De te lancer, pour savourer cette liberté-là. Ben ouais, parce que du coup, on a tous besoin de s'exprimer. Je crois que c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'être humain. Ouais. Et cette expression, donc ça peut se concrétiser par de la peinture, par une balade en forêt, par tout un tas de choses. Et moi, en fait, cette rythmique, donc le rap, en fait, la rythmique qu'on a dans la voix, mais dans la musique aussi, et l'alliance des deux, c'est quelque chose qui m'a touché en plein cœur, quoi. Donc c'est quelque chose vraiment qui m'a donné envie et je me suis mis dedans. Tu t'y mets dedans, donc en écrivant ou en improvisant? D'abord en écrivant, parce que l'improvisation, c'est justement la magie du truc, c'est qu'on donne l'impression que c'est facile. Ça donne l'impression aux gens que c'est facile, c'est pas facile du tout. Ça devient facile quand on le maîtrise, mais avant ça, il y a beaucoup de travail. Donc j'ai travaillé, j'ai écrit beaucoup, j'avais beaucoup de choses à dire, donc t'avais 13 ans à l'époque, hein, c'est ça, quand t'as découvert, en gros... Ouais, j'avais 12-13 ans, j'avais 12 ans, 12-13 ans, j'étais au collège, j'ai un pote à moi, Vizda, que je salue, qui m'a emboîté le pas tout de suite, et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui encore. Vous faites des trucs ensemble? Vous avez fait des trucs ensemble? On a fait des choses ensemble, bon, il est parti sur Paris, mais on est toujours en contact, et puis, tiens, écoute ce que je viens d'écrire... Voilà, c'est une chose qui bouge pas. Donc, tu t'es mis à écrire, et à écrire pour dire quoi? Tu avais déjà des thèmes un peu ou... Ouais, j'avais des thèmes parce qu'on était donc avec Vizda, justement. On se questionnait beaucoup. J'ai souvenir qu'on avait un de nos premiers textes, si ce n'est le tout premier, c'était sur l'an 2000. Donc, tu vois, on était en 98. Et l'an 2000, c'était dans 2 ans, et c'est quelque chose qui nous questionnait un peu, tu vois. Puis on rêvait aussi, donc on avait une manière de d'imaginer l'an 2000, c'était le futur, tu vois. C'était une manière de parler du futur. Donc tu vois, on avait des tout un tas de thématiques sur ça, puis sur lui, ses origines, moi les miennes. Lui, ses origines polonaises, moi, mes origines haïtiennes. Et donc, c'est quelque chose qui nous a aussi donné envie d'écrire, de raconter des choses aussi là-dessus. C'était très vaste. Mais c'est justement, encore une fois, la liberté, quand on parle de ce qu'on veut. Et donc, ça t'a amené à écrire un certain nombre de choses pour commencer à jouer un certain nombre de choses à partir de 2012, en gros. Ouais, c'est ça. En gros, c'est un petit peu avant, 2010. 2010, en fait, j'ai fait un concert à Angers. Ouais. En décembre 2010, j'ai fait un concert à Angers. J'étais avec un pote. Et puis, je lui dis, écoute, l'année prochaine, c'était 2009, décembre 2009, ok. Et je lui ai dit, l'année prochaine, on démarre une nouvelle décennie, 2010. L'objectif, c'est de faire le maximum de concerts pour qu'au final, ce soit les gens qui... En fait, nous, on va démarcher pour faire des concerts et pour que les gens nous rappellent. Et en fait, c'est ce qui s'est passé de 2010 jusqu'à 2015. Je regardais, fin 2015, je regardais mon dossier de presse et je regardais, en fait, j'ai 10 concerts en moyenne par an.
depuis 2010. Ouais. Donc, tu vois, l'objectif était atteint finalement. Ouais, parce qu'on a beaucoup démarché, etc. Puis à un moment donné, les gens nous rappelaient, commençaient à nous connaître, etc. Et donc, l'album sur la tête de mon mic, 2012, à partir de 2012, je commençais à le jouer en grande partie sur scène parce que les morceaux étaient à peu près écrits. Il y en a beaucoup qui sont arrivés après, mais tout n'était pas sur l'album. Et puis j'étais libre, encore une fois. J'étais pas en maison de disque ou en major ou quoi que ce soit. Et donc, j'avançais à mon rythme, au rythme de mes finances, parce qu'il faut payer le studio aussi. Donc, les choses se sont faites voilà, au fur et à mesure. Quoi. Mais, 2015, l'album Sur la tête de mon mec, c'est la synthèse un petit peu de tout ce que tu as fait pendant toutes ces années. Exactement. Et il a très bien marché. Bah, ça a plutôt bien marché. J'avais pas mal de demandes, ouais. En fait, avant qu'il sorte. Ouais. Ce qui m'a motivé, ce qui m'a beaucoup motivé à le sortir aussi. Ouais. Et puis voilà, j'ai eu des bons retours. Tu l'as présenté à Tissé Métis ? Je l'ai présenté à Tissé Métis, au festival. On salue toute l'équipe de ce grand festival. Salut Cyril. Et c'était top cette soirée-là. Et c'était génial. Ouais. Franchement, c'était super. C'est la première fois que mon père me voyait en concert. Génial. Tu vois, donc, il t'avait jamais vu Non, il m'avait jamais vu en concert. Et alors, il a dit quoi? Mon père, il parle pas beaucoup, donc il m'a pas dit grand-chose. Ouais. Mais on se parle avec les yeux, on se parle autrement, et puis je sais qu'il éprouve une certaine fierté aussi. Super. Je me débrouille, quoi. Alors, donc ça, c'est Sur la tête de mon mic, c'est 2015. Ouais. Après, tu. Parallèlement à ça, tu as passé un diplôme d'éducateur. Ouais. Et depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, en parallèle de ceux dont nous allons parler pour terminer, tu mènes des ateliers d'écriture dans plein d'endroits différents que tu adaptes à chaque public. C'est ça. Qu'est-ce que c'est comme technique et qu'est-ce que ça t'apporte ? Et qu'est-ce que ça apporte aux gens ? Eh ben alors, en fonction de là où j'interviens, les techniques, elles changent et je suis obligé d'adapter ma façon de travailler avec le public. Donc, j'interviens à l'EPM d'Orvault, l'établissement pénitentiaire pour mineurs. Donc là, on est avec des détenus. Donc là, j'enlève automatiquement la dimension artistique, donc je suis pas là pour leur faire écrire du rap qui ait des rimes ou etc. Là je suis vraiment dans l'objectif de faire un débat et puis ensuite de discuter, d'écrire, on discute et on écrit ensuite sur les points forts du débat. Voilà, dans les écoles primaires c'est encore autre chose, on est plus sur les émotions, les couleurs, les goûts, comment s'est passée ta journée, etc. Et on écrit. Dans les maisons de quartier c'est autre chose, j'ai fait des EHPAD, dans les EHPAD on est plus sur la mémoire et le souvenir. Voilà, donc c'est des méthodes différentes à chaque fois, avec je m'appuie beaucoup, j'aime beaucoup lire, donc j'utilise les livres avec les différents publics, mais à chaque fois il y a toujours des livres qui circulent et puis qui correspondent en fait aux différents publics. Il faut juste trouver le bon livre, quoi. Comme tu disais, dans l'EPM, tu arrives avec des thèmes de débat en fait et, ouais. Et des... J'arrive avec des thèmes de débat et en fait l'actualité est tellement riche. Que du coup, voilà, quand c'était. Il y a eu les attentats, il y a eu tout un tas de polémiques à la radio ou à la télé sur différentes choses. Et donc, c'est toujours très riche, quoi. Donc, quand j'arrive à l'EPM, je me dis, bon, voilà, vous avez vu la télé hier soir ou pas ? Ouais, il y avait ci, il y avait ça, etc. Et hop, le débat, il part assez facilement, quoi. Sur des thèmes importants, enfin, graves éventuellement. Enfin, t'as peur de rien. Non, moi, je suis là pour les faire s'exprimer. Ouais. Et puis, et confronter les idées. Ouais. Et puis, à un moment donné, on fige la pensée par écrit. Voilà. D'accord. Voilà. C'est beau, ça. Bah, ça fonctionne bien. Ouais. Ça fait 4 ans que j'interviens là-bas. Et les textes, ils sont compilés quelque part ? Il y a des traces de ça ou... J'ai des traces parce que ils m'autorisent à les garder. Ouais. Il y en a qui veulent garder leurs textes. Ouais. Voilà, donc pour l'instant, j'en fais rien. Ouais, ouais. Je les garde à la maison. Mais ouais. Bon, voilà. Top. Alors, parallèlement à tout ce travail-là, toi-même, ouais. Tu as continué l'écriture évidemment, parce que ça ne se lâche pas. Non. Et voilà, j'ai l'objectif de sortir un album dans les temps qui vont arriver. Ça va pas tarder. Je peux pas donner de date parce que j'en sais absolument rien. D'accord, oui, tu t'es pas donné de limite de temps. Non. Et puis c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Voilà. Donc je prépare un album. Ouais. Je peux te donner le titre. Vas-y. Il va s'appeler Histoire 2. Histoire 2 comme. Histoire 2 parce que c'est une manière de comment dirais-je
C'est une façon de balancer quelque chose comme ça, une piste de réflexion, juste histoire de. Et donc, l'expression histoire de, c'est ce qui me plaît. Et donc, je vais l'appeler. Et donc, chaque chanson sera une histoire de, c'est ça ? Histoire de, voilà, exactement. Donc, histoire d'argent, histoire de famille, histoire de vie, histoire de survie, histoire de. Voilà. Chaque chanson va s'appeler histoire de quelque chose. Et à chaque fois, c'est toujours une histoire, effectivement, avec une morale, plus ou moins visible. Ouais. Et donc, voilà. C'est des petits contes, des petites fables, des petites. Ouais, c'est ça, si on veut, des contes, fables. Je m'inspire de ma vie, de la tienne, de n'importe qui, de ce que je vois, de ce que j'entends. Ouais. Et j'écris une histoire avec une morale. Et donc j'espère que les gens capteront la morale, capteront ce qu'il y a dans l'histoire, que ça pourra les toucher ou leur rappeler quelque chose. Il y a des histoires perso, d'enfance, des histoires fictives aussi, que je cherchais partout, dans les livres d'économie, dans plein de trucs. Tu te permets tout. Je me permets... D'aborder tous les sujets. D'aborder tous les sujets, ouais. Je me suis jamais vraiment limité sur les sujets. Tu es parti en impro, des fois, justement, t'as des histoires que tu as faites en impro ? Ouais, beaucoup, ouais. Ouais. Il y a des histoires... l'improvisation, en tout cas, m'aide à écrire et à trouver les histoires, ouais. D'accord. Et les musiques, en deux mots ? Et les musiques, donc l'album est quasiment écrit à 90%. Les musiques, je bosse avec des musiciens. Ouais. Paolo, big up à toi. Voilà, entre autres. Et je bosse avec des musiciens qui... Là, c'est la partie, justement, où on va... qu'il faut attaquer, c'est-à-dire tout l'habillage, en fait, des textes, quoi. Voilà. Parce que je crois qu'une partie des textes est enregistrée. Une partie des textes, une grande partie est écrite, quelques-uns sont enregistrés, mais il reste une grosse partie à composer quand même. Il faut vraiment habiller tout ça, et ça, je ne veux pas le faire n'importe comment, au hasard. Ouais, oui, tu me prends le temps. Je prends le temps aussi, je ne suis pas pressé, et je suis libre. Mais ce sera le mot de la fin. Ouais, tu as atteint la liberté. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et c'est un choix. Oui, exactement. Et tu t'es donné les moyens de ce choix. Ouais. Bravo, c'est caporal. Merci. Merci à toi. Merci au studio Bellaru. Merci les gars. Et puis à suivre. Toujours bien accueillis. toujours bien accueillis ici. Un adieu. Histoire 2, c'est pour bientôt. Ouais, exactement. Et bien donc on en reparlera. Merci à toi.